Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole leur dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Notre message aujourd'hui s'intitule « Le secret est dans la connaissance de Dieu ». Le secret est dans la connaissance de Dieu. Voyez-vous, Jésus-Christ pose cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis ? En d'autres termes, qu'avez-vous appris à mon sujet? Écoutez la réponse des disciples. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres que tu es Jérémie. D'autres que tu es Élie, le prophète. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres que tu es Élie. D'autres encore que tu es un de ces prophètes. Voilà la réponse que les disciples donnent à Jésus-Christ s'agissant des avis des uns et des autres en ce qui concerne son identité. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un fait. Jésus a eu 3 ans de ministère. Il lui arrivait de se rendre dans une contrée pour prêcher l'évangile. Et comme des foules nombreuses s'assemblaient, il n'était pas évident de se faire une idée exacte de qui était Jésus-Christ. Il y en a qui ne l'avaient presque jamais vu. Certains avaient entendu parler de lui. À ce moment-là, l'idée que les gens se faisaient de lui ne pouvait être qu'étronquée. Elle ne pouvait être qu'approximative. Chacun y allant de son commentaire. C'est un peu comme des personnes qui, se rendant à un kiosque, ne prennent pas la peine d'acheter un journal ou une presse pour prendre connaissance du contenu. Ils se contentent juste des titres. Et Dieu sait combien ces titres sont souvent pompeux et le contenu assez vague, assez vide. Qui dit-on que je suis? Certains prétendent que tu es un prophète, d'autres que tu es Jean-Baptiste ou la réincarnation du prophète Élie. Maintenant, Jésus-Christ se tourne vers ses disciples. Qui étaient ses disciples? Ses disciples sont ceux-là qui le suivaient tous les jours. Ses disciples sont ceux-là qui partageaient avec lui des moments d'évangélisation, des moments de ministère aux malades. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient leurs couches ensemble. En d'autres termes, pendant 3 ans, ils avaient appris à connaître Jésus-Christ. Et certains plus que d'autres. Alors Jésus-Christ se tourne vers ses disciples. « Je vous ai demandé l'avis des autres à mon sujet. Maintenant pour vous, qui suis-je ? » Écoutez la réponse de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi cette réponse, téléspectateurs de la Glory Christ Channel? Pierre, pendant tout ce temps, ne s'est pas contenté de la proximité avec Jésus-Christ. Au-delà de cette proximité, il a pris la peine de l'observer. Il a pris la peine de se questionner sur qui était Jésus-Christ, sur son identité véritable, au travers de l'évangile qu'il prêchait, de la parole qu'il partageait, des miracles qu'il accomplissait. Pierre s'est posé des questions
et il s'est fait une intime conviction sur l'identité réelle de Jésus-Christ. Voyez-vous, téléspectateurs de la Glory Christ Channel, Jésus-Christ n'était pas qu'un homme. Il était un homme extraordinaire. Il était en même temps Dieu et homme. Cette dualité-là pouvait porter ceux qui étaient spirituellement sensibles à se poser des questions au-delà de l'humain, au-delà de l'aspect charnel de son être. C'est bel et bien ce que Simon-Pierre a fait. Lorsque Jésus-Christ a posé cette question, il souhaitait savoir qui pouvait, qui était à même de le connaître au-delà de l'aspect charnel de sa personne. Qui dites-vous que je suis ? Pierre de prendre la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourtant, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, portait un nom. On le connaissait sous l'identité du Fils du charpentier. Et lui-même se faisait appeler le Fils de l'homme. Jésus-Christ avait caché son identité véritable, laissant aux autres le soin de chercher qui il était réellement. La Bible dit, la gloire de Dieu consiste à cacher les choses, mais la gloire des hommes consiste à sonder les choses. Proverbes chapitre 25, versets 1 et 2. C'est ce que Pierre a fait. Pierre a sondé l'Esprit de Dieu qui l'habitait. Pierre s'est questionné. Pierre avait ce désir dans son cœur de connaître qui il était véritablement. Parce qu'un homme normal ne pouvait pas accomplir les signes et les prodiges dont il s'était rendu maître. Pierre a poussé la curiosité là où les autres disciples se contentaient juste de l'accompagner parce qu'il n'était que ses disciples. Et ma Bible déclare, si vous demeurez en moi, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En d'autres termes, si pendant que vous êtes avec moi, vous cherchez à savoir qui je suis réellement, la connaissance, la révélation que vous aurez eue de mon identité véritable feront que vous soyez à même d'accomplir des exploits. Parce que la vie d'un chrétien est une vie d'exploit, c'est une vie de surnaturel. Ceux qui connaissent Dieu tel qu'il est réellement sont candidats pour des exploits. Qui dites-vous que je suis ? Pierre de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. En vérité, Pierre, fils de Jonas, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Ce ne sont pas les contacts physiques, encore moins la proximité qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé qui je suis. En d'autres termes, tu as pris la peine de m'observer. Tu as questionné le Dieu invisible, mais pourtant omniprésent. Et il t'a dit qui je suis en réalité. Ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est le Père à qui il est donné de révéler les choses cachées, qui t'a révélé ces choses. Et je te le dis, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, sur le fondement, sur la base de la révélation, de la vérité, de la connaissance que tu as eue de moi, je vais accomplir des exploits avec toi. Sur la base de la connaissance que tu as eue de moi, je vais faire une chose avec toi que je ne pourrais faire avec les autres. Le secret réside dans la connaissance de Dieu. Si tu sais qui est Dieu, si tu connais qui est Dieu, si tu as la révélation du Dieu qui guérit, tu ne seras plus malade, mais Dieu se servira de toi pour guérir les malades. Si tu as la révélation du Dieu de prospérité, tu ne seras plus pauvre, mais au travers de toi, Dieu va dépanner, Dieu va pouvoir
pour ceux qui ont besoin d'argent. Puisses-tu seulement connaître Dieu? Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Là où est le cœur d'un homme, là aussi se trouve son trésor. Si tu mets ton cœur à la recherche de Dieu, Dieu se révélera à toi et tu seras un prodige, tu seras un signe en ces temps de la fin. Soyez bénis et que la révélation de Christ soit pour vous une bénédiction. Que la révélation de Christ au travers de sa parole, au travers de la méditation, au travers de la prière soit pour vous une réalité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, si vous avez été bénis par cette parole, nous vous invitons dans le cadre de nos programmes à la chapelle de la gloire de Christ. Nous vous invitons également à la Glory Christ Channel. Venez partager avec nous vos témoignages. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.